Précédemment dans le Let's Play de Phoenix Wright, Ace Attorney, Samuel Rosenberg, l'avocat qui devait défendre Maya, a refusé. Maya et ceux dont se trouvant donc seul contre tous, nous avons accepté de la défendre. Que va-t-il se passer dans la suite de cette aventure? Réponse tout de suite! Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous nous retrouvons pour le 6ème épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright Ace Attorney. Et nous sommes encore en enquête pour justement défendre Maya le lendemain pour le meurtre de Mia, malheureusement qu'elle n'a pas fait, ou en tout cas qu'on espère qu'elle n'a pas fait. Et on va se diriger, puisque là on a terminé, justement on vient d'apprendre l'identité d'un homme qui s'appelle White qui aurait détruit la mère de Mia et de Maya. On aurait aussi compris que Mach Avril, ça on ne se trompe pas, qui cache quelque chose dans son tiroir, et justement on va aller voir son tiroir à l'hôtel Gatewaller. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous êtes... Je vous prie d'excuser monsieur. Je suis le groom de cet établissement, à votre service monsieur. Ah, d'accord. Je suis simplement venu pour le room service monsieur. Savez-vous où se trouve Mademoiselle Vril? Ah, je crois que notre hôte, Mademoiselle Vril, utilise maintenant les sanitaires. Si vous avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie, restez aussi longtemps que vous pouvez. Aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en bien. Là, j'ai du mal avec le mot profitez-en. Ok, donc on va continuer. Oui. Non, attendez. Hé! Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Une minute, c'est l'occasion rêvée de heurter un petit peu. Ah, j'allais oublier. Arg, vous êtes venu rapidement. Puis-je vous demander d'informer Mademoiselle Vril qu'il y a un message pour elle? Veuillez lui dire que Monsieur Wright, de la compagnie Blue Corp, a téléphoné. Oui, bien sûr. Oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White, de Blue Corp. Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? Dans le dernier épisode? Pour interrogation. White. C'était son nom. Ma soeur me l'a dit. White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya. Voilà. Donc le petit flashback qui ne sert à rien, mais qui est utile. Ne serait-ce qu'une coïncidence? Et on va examiner tout de suite ce qu'il y a là. Un tournevis dépasse ce tiroir à moitié ouvert. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique? Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? Bande d'écoute ajoutée au dossier de l'affaire. Cette Mademoiselle Ivry a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a Anguille Soura, j'en suis persuadé. Bon, je dirai cet indice demain au procès, c'est certain. Pour Maya, je vais me la faire, cette femme. Je vais me la faire! Oula! Yopé! Je veux dire. Enfin, bon, je me comprends. On se comprend, je pense qu'on se comprend, Félix. Oh, monsieur le groom, vous êtes encore là? Oh oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire frémir, Mademoiselle Vril. Au tribunal. À suivre. Et nous allons nous arrêter là. Eh oui, 3 minutes 42, certes. Enfin, 3 minutes, 4 minutes de vidéo. Mais on est à une. On a une possible dessus de sauvegarde. Donc on va arrêter là. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play. C'était GF, stay tuned.